aujourd'hui pour une petite vidéo. Bon, je l'avais prévue sans la prévoir. Voilà. Je voulais vous montrer ça. En plus, il est lourd. C'est mon sac de toile à broder. Voilà. Alors, normalement, elles sont toutes dedans. Bon, il me reste peut-être deux, trois toiles en haut, mais ce sont des vieilles, enfin, des vieilles toiles. Elles sont bonnes, je veux dire. Mais c'est des toiles que j'ai depuis très, 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 très longtemps. D'ailleurs, il faudra que je les descende. Comment? Pour les rajouter dans mon sac. Voilà. Et je voulais vous montrer ce que j'avais à peu près comme toile. Voilà. Alors, est-ce que ça va? On va le mettre comme ça. Oui, bon. J'espère que vous verrez bien les couleurs des toiles. Alors, on va commencer par ce petit sachet. Ce petit sachet, ce sont les toiles que l'on a avec les kits de Sabine, poussière d'étoile, voilà, ou avec les box. Donc elles sont, je pense, toutes là, à part les seules qui sont pas dedans. Ce sont des toiles étamines. Moi, c'est tout, pour ainsi dire, souvent, pour ainsi dire, et souvent et toujours de l'étamine blanche irisée. Voilà. Mais ça, elles sont avec les modèles que je dois broder. Alors, ça, c'est la dernière que j'ai eue. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien voir les couleurs. Hein, parce que... Voilà. Alors, c'est une étamine. Bon, quand c'est pas une étamine, je vous le dirai. Parce que sinon, je vais vous dire à chaque fois, c'est une étamine, c'est une étamine, c'est une étamine. 12,6, voilà, donc beige. Et celle-là, on l'a eue avec Mister Cat. Alors, je vais peut-être pas me rappeler toutes les toiles vont avec quel kit. On va essayer. Celle-ci, par contre, je m'en rappelle, c'est avec le Père Noël. Donc, c'est une style vintage, voilà. Blanche et grise, les motifs sont gris, voilà. Celle-ci, c'était quoi? Elle l'automne, je crois. Donc, elles sont teintes à la main pour la plupart par Sabine. Voilà, donc celle-là, c'était pour broder le Hello Automne. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, toujours une étamine. Celle-ci, alors celle-ci, c'était... Alors, le titre, je ne me rappelle plus. Mais si je ne me trompe pas, il y a une tasse de... Et il y a des livres avec, voilà, donc faites avec des écritures. Vous voyez, si je me mets trop à la lumière, vous voyez pas. Là, c'est bien. Ensuite, alors celle-ci, c'est pour faire la couronne papillon. Ça, je me rappelle. Poussière, c'est pas grave. Voilà. Alors celle-ci, vous voyez, il y a des papillons bleus imprimés dessus. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Celle-là, c'est l'abeille. C'est pour l'abeille. Voilà, toute mouchetée de jaune, de gris sur un fond blanc. Voilà,
C'est même pas du... C'est du gris. Ouais, c'est un... du gris... gris vert. Et voilà. Alors, celle-là, je ne sais plus. Celles qui vont suivre... enfin, il n'y en a plus beaucoup, mais je ne me rappelle plus. celle-ci, je ne sais plus. Il faut que je vois... Quand je revois le kit, après, je me rappelle, mais... Voilà. Alors, ça... Oh là, vous n'allez pas bien voir la couleur. Alors, attendez. Est-ce que... Oh non, alors là, c'est même pas la peine. En plus, je fais fantomas. Je vais essayer de le plier. Ouais, bon, elle est rose. Elle est rose, celle-là. Voilà. Celle-ci, par contre, c'est une Aïda, mais je ne sais plus pourquoi. Je ne me rappelle plus. Sabine, si tu passes par là, celle-là, c'était pourquoi? Je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, ça, c'est une Aïda. C'était une Aïda 7, 5, 5, non, 7, je crois. Une Aïda 7, je crois. Voilà, c'est pour ça que l'autre jour, je vous disais, il va falloir que je mette des étiquettes à chaque fois que je reçois des toiles. Quand c'est des toiles justement qui vont avec une broderie, bah, marquer le nom de la broderie et marquer ce que c'est comme toile. Parce que, bah, arrivé à un moment, je ne sais plus. Celle-là non plus. Je ne sais plus sur laquelle elle allait. Voilà. Elle est toute mouchetée, multicolore. Dans les turquoises, les oranges, elle est trop trop belle. Donc une étamine également. Alors celle-ci, Mystery Boule de Gomme, je ne sais plus du tout. Alors celle-là, c'est une Aïda. Voilà. Multicolore, voyez, rose, vert, bleu. Voilà. Donc celle-là, je ne sais plus du tout, du tout, du tout. Mais c'est pas grave. Il faudra que je demande à Sabine qu'elle me rafraîchisse un peu la mémoire. Donc voilà, ça, normalement, je les ai toutes là. Je ne pense pas en avoir d'autres dans le sac. Donc ça, hop. Ensuite. Oh bah là, c'est pas une la toile. Oui, mais la toile est avec le kit. Là, vous voyez? Là, c'est bien parce que je l'ai mis avec le kit. je vais vous montrer la toile. Alors, allez, sort. Voilà, c'est une Murano. Donc, pareil, étamine 12.6. Alors, elle a des reflets. Elle fait un peu vintage, voyez, on voit un petit peu les reflets. Donc elle est grise. Et celle-là, ce sera donc pour faire The Fox. Voilà, je la remets dedans. Donc ce sera pour faire ce petit renard. Ensuite, ah oui, là elles sont dans une pochette comme ça, parce que ce sont les quatre mêmes. Il y en a quatre. Bon, je vais en sortir qu'une. Hein. C'est les quatre toiles sont pareilles. Vous les avez vues il n'y a pas longtemps. C'est des Ezikunt Murano également. Donc en étamine 12.6. Et donc Ezikunt, c'est-à-dire que c'est quadrillé. Et le quadrillage part à l'eau une fois que vous avez terminé de broder. Voilà, donc ça c'est des grandes. Hein, et je vous avais expliqué, je l'avais pris pour ma steampunk, mais je vais voir, je vais bidouiller peut-être ma steampunk pour m'éviter de racheter une grille, une toile. Parce que celles-là, elles ne sont quand même pas pour rien. Et ça m'embête de devoir acheter, ou alors il faut que je rachète une, mais sans quadrillage.
Donc là, j'en ai 4 dedans. Ensuite, là, j'en ai 2. Je crois que j'en ai que 2. C'est les deux mêmes. C'est des Aïda 8 blanc cassé. Voilà. Donc, celle-là, c'est de l'Aïda. Voilà. Hop. Vous voyez. Et ceux-là, elles sont prévues pour faire des lilipoings. Donc là, vous voyez, je l'avais marqué là pour la grille de la pâtisserie et ici pour mes petites madeleines. Voilà. De toute façon, les lilipoings, en général, je les fais toujours sur les mêmes styles de toile. Donc là, j'en ai 2 d'avance. Ensuite, la dernière toile que j'avais achetée. Donc là, bah justement, j'ai mis l'étiquette. vous vous rappelez, c'est un peu style Vichy. C'est même pas un peu, c'est le style Vichy, carrément. Donc, c'est une étamine 12.6 Murano Zegart carré gris. Voilà. Donc, celle-là, c'est une 50 sur 85. Et je l'avais pris également pour faire une lilipoing. Voilà, la ronronthérapie. Mais là, bon, il y aura beaucoup trop de toile. Hein, mais... Alors, là, je vais peut-être faire la ronronthérapie en duo. Ça y est, j'oublie toujours les noms. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Si tu passes par là, excuse-moi. Elle m'avait demandé parce qu'elle a une toile lilipoing aussi sur les chats, mais pas c'est pas la même que la mienne, mais le thème c'est les chats, et elle m'avait demandé si on pouvait la faire faire notre toile en duo chacune, mais elle m'a parlé du mois de juin. Je suis pas pressée de toute façon, hein. Donc je vous en reparlerai le moment venu. Ici, alors, c'est une des seules que j'ai, je dois en avoir une autre, je pense. C'est une toile de lin. Alors, toile de lin, moi, c'est, j'en achetais avant et après, ben, j'ai connu les tamines. Et du coup, je n'achetais plus de lin. Mais là, j'ai voulu en prendre une. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je n'ai pas encore trouvé, mais bon, je trouverai. Alors, oh là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là, vous voyez, elle est pailletée. Voilà, elle est irisée, comme on dit. Voilà, donc c'est une lin 14 fils. Voilà. Franchement, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Là, j'ai 50 sur 70 cm, donc j'ai de quoi faire. Mais je ne sais pas ce que je vais faire encore avec. Alors, j'essaye de la mettre. Non, à la lumière, c'est encore pire. Voilà. Oui, ah, bah là, on voit. Voilà. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec. Ici, vous vous rappelez de celle-ci. Alors, toujours étamine, bien sûr. C'est la vintage bleue, voilà, que j'avais eu à la maison du canevas. Oui, c'est la maison du canevas, je crois que je l'ai eue. Et, non, c'est... Si. Oh, je ne sais plus. Des fois, bon. De toute façon, les trois quarts de mes toiles... Alors, une partie vient de chez Sabine. Une partie vient de la maison du canevas. Certaines toiles viennent de chez Univers Broderie. Et maintenant, j'en prends également. Donc, celle-là, le lin, elle vient de mère en fille. Voilà. Donc, c'est vraiment les 4 seules boutiques où j'achète de la toile. Les toiles, je n'en achète jamais sur les sites étrangers. Déjà parce que les sites étrangers, ils ont principalement que de l'Aïda. Et puis, pas toujours de très bonne qualité. Donc, voilà, les toiles, moi, c'est ces 4 boutiques-là.
je ne j'irai pas un, sauf si. Alors je cherche tout. Je sais que de mère en fille en ont, mais c'est pas encore ce que je cherche. Je veux absolument au moins une toile américaine. Parce que j'adore les toiles américaines. Quand je regarde les brodeuses américaines sur YouTube, des fois je vois leurs toiles, mais je suis, oh, sont trop belles. Et de mère en fille, il y en a quelques-unes, mais c'est pas encore vraiment ce que je vois sur les vidéos. Voilà, mais je trouverai. Hein. Voilà, donc celle-ci, elle est bleu turquoise. Vintage, c'est pareil, c'est une Murano, je crois. Voilà, c'est pour ça que je vais remettre des étiquettes à toutes ici. Alors, c'est alors là, il y a plusieurs, j'ai plusieurs morceaux. Là, c'est un petit, là, c'est un petit bout que j'avais pris. C'était pas plus grand que ça, donc c'est pareil, c'est de la vintage, c'est l'étamine 12.6 également, c'est exactement la même que la bleue, à part que là elle est rose. Donc j'avais ce morceau là et il me reste un grand morceau. Voilà, bon, je vais pas tout déplier, mais il me reste un très grand morceau de celle que j'avais rachetée. Et là, je suis en train de faire quoi dessus? Ah, mes pans, les pans royaux. Voilà. Je suis en train de faire les pans royaux. Donc ça, c'est la rose. Voilà. Et voilà la bleue. Voilà. Mais je vais les mettre ensemble, comme ça, hop, dans le sachet. Alors pareil, j'essaye de les mettre dans des sachets pour pas qu'elles s'abîment, qu'elles prennent la poussière, les mites. Faire très attention aux mites. Hein. Bon, normalement, j'en ai pas chez moi, mais on ne sait jamais. Ici. Ah oui, ça, c'est de la toile que j'ai rachetée à une de mes abonnées. Une de mes abonnées. Elle revendait de la toile étamine 14 fils. Voilà. Donc, elle vendait deux grands coupons. Deux coupons. Je lui avais acheté le premier coupon. Voilà, ça, c'est ce qui reste du premier coupon. Donc, il me reste quand même un bon bout, hein, voyez. Donc, c'est du 14 fils. Couleur. Beige, mais ça fait un peu style comme le lin. Alors, vous voyez, c'est un peu moucheté. Voilà, et ça ressemble à du lin, mais ça n'en est pas. C'est de l'étamine. Voilà, alors je sais pas si j'arrive pas à grossir hein, dans ce sens-là, mais bon, voilà. Celle-là, je suis en train de faire avec comment ça s'appelle? Le Sal All Forest de Julia. Voilà. Donc j'ai ça et il lui restait un grand coupon. Et comme j'adore cette toile, je l'aime vraiment beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que tu as encore le grand coupon? Elle m'a dit oui. Voilà. D'ailleurs, si tu passes par là, j'ai oublié de te dire que je l'avais reçu. Ça fait un bail pourtant, mais voilà. De toute façon, j'oublie souvent, hein, moi. Il faut pas s'inquiéter. J'ai une mémoire. Alors là, j'ai un très grand coupon. Vous voyez. Alors, des fois, je me dis, ben, je pourrais utiliser ce coupon-là pour faire ma steampunk. Pourquoi pas? Mais ce genre de toile, c'est plus joli pour quand on fait des partiels ou pour qu'on voit la toile. Donc ça m'embêterait de faire ma steampunk quand même dessus. Mais bon, on verra. Donc là, c'est de la 14 fils. Alors vous voyez, c'est encore plus fin que ce que je fais d'habitude, hein, le 12, 12,6. Mais elle, ça va, hein. J'arrive à très bien broder dessus.
avec ma loupe, toujours. Ici, alors, ça c'est une petite chute. Alors, c'est quoi ça? C'est de l'étamine. Ouais, c'est de l'étamine. Ça m'a l'air d'être du 14, ça. Du 12. Non, c'est du 12. Voilà, une petite chute. Voilà, de... d'étamine. Ça ressemble un peu à la... C'est un peu plus foncé, mais ça ressemble un peu à celle que je viens de vous montrer. Ensuite... Alors, là, je crois que j'avais déjà pris un bout. Je sais plus. Oui, je crois que c'est sur celle... Non, c'est pas sur celle-là. Je sais plus. Non, je crois pas. Alors, celle-là, c'est une étamine 12.6 également. Et c'est une vert amande. Oui, non, l'autre, c'est vert olive. Voilà. Celle où je fais mon sal de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Donc là, ça m'embête que vous ne voyez pas bien les couleurs. Voilà. Vous voyez? Là, on voit. Donc, vert amande. Pareil, j'ai un grand coupon. Alors, celui-là, à la base, je l'avais pris pour faire... Oh, c'est une grille de sur Etsy, mais alors de qui? Miastiche, je crois. Ça fait comme une couronne avec un petit écureuil qui dort au milieu. Je sais pas si vous voyez ce que... Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre la photo. Donc celle-là, elle était prévue pour faire cet écureuil que je ferai un jour. C'est l'écureuil de Noël. Voilà. Hop. Ici, alors celle-là, elle avait déjà été préparée. Je crois même que j'avais, oui, je crois que j'avais brodé un petit bout qu'il faut que je démonte. Je sais même plus où il est. Ah, si, c'est au milieu. Voilà. Faut que je le découpe, enfin que j'enlève ce que j'avais fait. Donc elle est prête et tout, celle-là, vous voyez, je vais même enlever tout ça. À la base, je l'avais préparée pour faire mes pans royaux. Et je me suis aperçue que ce n'était pas du 12.6, donc la mesure n'aurait pas été bonne. Là, c'est du 11 fils, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais commandé du 11 fils, mais c'est du 11 fils. Mais bon, elle me servira bien pour quelque chose. Alors là, c'est un vieux rose. Voilà. Là, c'est un vieux rose. Je sais pas du coup ce que je ferai avec, mais là, il faut que je démonte le peu que j'avais fait dessus. Ensuite, il y en a un. Ah, là, il y en a deux. Alors, celle-là, c'est une étamine. Alors, c'est un petit coupon. Voilà. Donc, c'est une vintage aussi. Mais là, elle est marron. Voilà. Donc, pareil, c'est une 12.6. Et j'aime bien le motif. Alors, je sais pas ce que... Je sais plus pourquoi j'ai pris celle-là. J'ai pris... Alors, des fois, j'achète des toiles parce qu'elles me plaisent. Et après, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais bon. Celle-ci, c'est pareil. Alors, c'est une... Ça doit être une 12 aussi. Oui, c'est une 12. Couleur rouille. Alors, c'est... Là, vous le voyez un peu orange. Mais c'est vraiment couleur rouille. Voyez. Donc, c'est pareil. C'est un coupon quand même assez grand. Voilà. Hop. Voyez.
Pareil, je sais pas ce que je l'ai pris parce que la couleur me plaisait. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Bah là, peut-être une broderie style automne, voilà, Halloween, pourquoi pas, malgré que je fasse l'Halloween. Bon, s'il n'y a pas de squelette, ça va. Je veux bien faire du Halloween, mais s'il y a du squelette dedans, je veux pas. Alors, celle-ci. Celle-ci. Je l'avais acheté pour... Ah oui. Alors, ici, c'est une Aïda noire. Alors déjà, Aïda noire. C'est une... Est-ce que j'ai la taille là? Non, c'est juste... Non, j'ai pas le... Ça doit être une Aïda... Y a là, toi. Bon, c'est une 7, ça. Ouais, ça doit être une 7. Ça, je l'ai pris parce que j'ai une broderie de... Elle est de qui, cette broderie? Lucas, je crois. Moi, ouais, je crois que ça doit être Lucas. Vous savez, c'est le portrait d'une femme. Alors, ça s'appelle La Muse. Voilà. Ça s'appelle La Muse. Et c'est le portrait d'une femme un peu style espagnol. Mais que ce soit sur le... même que le kit original, ouais, original, tout le fond se brode. Mais le fond est noir. Donc j'avais dit non, je ne veux pas broder tout un fond noir. Donc je m'étais acheté cette toile Aïda noire pour juste faire le portrait et ne pas faire le fond. Donc bon, je ne sais pas si je la ferai un jour, hein, mais on verra. Alors attends. Que je remette ça dedans. Mais bon, c'est de l'Aïda, donc on verra bien. Un jour, peut-être. De toute façon, hop, je sais que je n'arriverai jamais à broder toutes les broderies que j'ai. Donc, allez. Ah, il y avait de l'air dedans. Pourquoi je n'ai pas remis... Ah bah oui. Je me disais, il y a une toile que j'ai pas remis dans son sachet. C'est la toile rouille. Voilà. Avec la vintage marron que je laisse avec. Voilà. Ensuite. Ah bah celle-ci, c'est du lin, normalement. Ouais. Alors, je pense que c'est du lin. Alors, celle-ci, je l'avais acheté par erreur. Ça ressemble à l'étamine. Alors. Non, c'est de l'étamine. Non, c'est de l'étamine. C'est de l'étamine. Mais très fine. Je ne sais pas si vous me voyez à travers. Je ne sais pas comment mettre ma lampe. Alors, elle est un peu vintage aussi, vous voyez, elle est marbrée. Voilà. Mais celle-ci est vraiment très très fine. Pourtant, j'avais une toile en lin normalement. Où j'ai rêvé? Non, j'ai dû rêver. Donc, pareil, c'était un petit coupon. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec. Mais des fois, je rachète des petits coupons en plus sur mes commandes. Pour dire d'avoir les frais de port gratuits. Des fois, c'est un peu stupide hein, comme logique. Mais je me dis, je préfère avoir les frais de port gratuits, même s'ils sont à 5 ou 6 euros, et reprendre un article qui va peut-être être aussi à 5 ou 6 euros, mais au moins, c'est quelque chose de concret que j'ai dans les mains. Je n'ai pas payé les frais de port, mais j'ai un bout de toile en plus. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique ou si vous avez la même logique que moi. Mais bon, quitte à payer des frais de port, je préfère ne pas en payer. Puis, bah, du coup, mettre cet argent, l'argent des frais de port sur un article. Voilà.
Ici, ah ben ça c'est des toiles de Sabine. Alors est-ce que j'en ai trois là? Je crois que ouais. Ça c'est des toiles que Sabine m'avait envoyées. Je vais laisser dans les sachets, j'espère que vous verrez bien. C'est des étamines 12.6. Alors de temps en temps les étamines, elle en a dans la boutique, mais pas toujours. Voilà, donc j'avais eu. Alors je vais. Oh, je crois que non, il va falloir que je l'ouvre, sinon vous ne verrez pas bien. C'était des petits coupons, mais voilà. Donc un bleu comme ceci. Oh, ça va être. Bon, je vais les remballer après. Là, un rouille. Ah ben là ça va, voyez, comme ça. Faut dire, ouais si c'est rouille. Là c'est un autre genre de rouille, plus rouge, voyez, par rapport à l'autre, voilà. Et ici un vert amande, voilà. Donc ça c'est des petits coupons de 35 ou de 40 sur 40. Dessus, on peut déjà faire quelque chose de beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Hop. Là, alors, là, elle est déjà coupée. Alors, j'en ai une, deux. Trois. Voilà, j'en ai trois ici. Alors, celle-là, c'est des toiles que j'ai gagnées sur un concours sur Instagram avec la boutique Tom et Lily Création. Voilà. Donc, c'est des toiles qu'elle fait, pareil, qu'elle teint elle-même. Donc, celle-ci, elle est déjà coupée parce que je suis en train de faire mon hibou. Rappelez, mon hibou. N'importe quoi. Je ne suis même pas en train de faire des hiboux. Mon dragon, voilà, chercher. Donc je fais mon dragon sur celle-ci. Après, donc celle-là est entière, là, et l'autre aussi, voyez. Hop. Celle-là c'est couleur jean clair. Là, et celle-là, attendez, est-ce que c'est, non, c'est pas celle-là. Ah, il m'en manque une. Ah non 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 non, ben, la troisième elle est prête pour le sale du mois d'avril. Donc c'est une comme ça mais plus foncée. Voilà, jean, alors j'avais jean clair et jean foncé, voilà, donc bleu. Et donc celle-là est prête pour faire le sale des ours de Noël que j'organise sur mon groupe. C'est même Jennifer qui m'avait donné l'idée. Donc j'organise ça sur mon groupe et on le commence le 1er avril. Voilà. Ensuite, ça ne change pas. On est au soir, j'en ai deux qui tournent là autour de moi. Vous devinez pourquoi? Pause pipi, je reviens. Voilà, la pause pipi est faite. Alors, je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression qu'il me manque une toile. Alors, je ne sais pas pourquoi. Non, mes ours de Noël, c'est sur celle-là. Alors, à moins que ce soit ça, mais. Non, c'est pas la même qualité, donc c'est pas ça. Donc il me manque une toile de là. Je sais plus ce que j'en ai fait. Voilà. Et les ours, voilà, ça c'est le reste de la toile. Je l'ai fait sur ce bleu là. Donc c'est un bleu canard, on va dire. Voilà. Ah ben là vous voyez bien. Donc pareil, 12.6. Étamine, ça c'est non,
Alors, ici, toile étamine, pareil, c'est bleu. Ah, ça m'énerve de ne pas savoir. Sais plus. Et celle, alors, j'ai celle-ci, oui, voilà. Toile étamine bleu, donc là, c'est bleu ciel. 12,6. Alors, normalement, à la base, je l'avais prévu pour broder. Alors, ça passe sur les boutiques étrangères aussi, mais j'ai la grille originale, originale. du hibou aviateur. Vous savez, le petit blouson d'aviateur, tout ça. Et il est prévu de broder cette broderie sur un bleu ciel comme ça. Et en fin de compte, je me suis servi de la toile pour autre chose. Et j'ai encore un petit bout là. Je m'en sers pour le Bouddha. Voilà. Pour faire le Bouddha de la boutique de Sabine. Voilà, le modèle gratuit. C'est rien, si un jour je veux faire le hibou, ben je reprendrai une toile et puis mais bon, c'est pas demain la veille. Voilà, donc le petit bleu ciel. Ensuite, alors ça c'est des vieilles toiles. Alors ça c'est vieux. C'est des toiles que j'ai retrouvées dans un fond de panier. Alors, ça, c'est une Aïda. Mais alors, c'est une Aïda 5-5. Couleur beige. Voilà. Hop, voyez. Donc, celle-là, je vais pas la prendre pour moi. Je vais la donner à ma belle-fille. Parce qu'elle brode là-dessus. Parce que là, moi, j'en aurais pas du tout l'utilité. D'ailleurs, je vais la sortir du sac, comme ça, je pourrais lui donner. Moi, là-dessus, c'est non. Je brode pas là-dessus. Je sais plus où je l'avais eu, celle-là, mais là, ça fait. Oh! Ça va. Elle sent pas le renfermé. ça fait. Mon Dieu, ça fait au moins 20 ans que je l'ai, celle-là. Là, c'est des bouts de chute. Bon, là, les chutes, je ne vais pas vous les détailler. Hein. Alors, ça, je sais que j'avais acheté ça. Alors, c'est de l'Aïda, pareil, noir. Donc, j'ai plusieurs petits morceaux. J'avais acheté ça pour faire le Père Noël d'Isabelle Vautier. Mais alors, ça remonte à. Pareil, ça doit remonter à 20 ans, au moins. Je crois que je l'avais fait. Mais où il est? Je ne l'ai plus. C'est ballot. Là, pareil, c'est des chutes de. Ça, c'est des chutes d'étamine. Donc, les chutes, je les garde hein, comme ça, parce que ben, on peut déjà faire des jolies broderies dessus, faire des ATC, faire, je sais pas moi, des. Et là, c'est une. Alors, ça, c'est quoi? Oh, c'est une. Ah, c'est une Aïda, ça. Alors, c'est deux morceaux d'Aïda. Oh, trois morceaux d'Aïda. Voilà. c'est du 8, ça. Je crois que c'est du 8. Ouais. Alors, ça, pareil, c'est très, très vieux. Mais, pareil, je les ai gardés. Ça peut servir. Vous connaissez, hein, ça peut servir. Voilà, donc ça c'est mon premier sac de chute. Donc celle-là, par contre, je vais la sortir. Je la donnerai à ma belle-fille. Hop. Là, j'ai encore une petite chute. Mais ça doit être une chute de la toile que j'ai eue à mon abonné. Donc je vais le remettre avec. Voilà, vous voyez. C'est de la 14 fils. Donc ça, je vais le remettre là-bas. Ces toiles ici. Alors,
Je sais plus dans quelle boutique je les ai achetés, par contre, ceux-là. C'est sur Internet. Mais alors, je ne sais plus dans quelle boutique. C'est de l'étamine. Alors, c'est de la 11 fils. Celle-ci, c'est la Awe White The Fairy. Bon. Alors, j'avais acheté cette toile et deux autres. Donc, il y en a une que je voudrais utiliser pour faire le colibri en ce moment. Les roses, oui. Et mais à la base, j'avais acheté ça parce que je souhaitais broder un modèle que j'ai dans mes revues anglaises. Et donc, qui préconisait cette toile. Et donc, je crois que c'est celle-ci ou la, ou l'autre. Non, c'est l'autre. C'est la deuxième. Mais du coup, comme il y avait plusieurs modèles, voilà, vous voyez, en bas, ça fait rose. Et en haut, c'est bleu. Du coup, j'en avais pris trois. Bon, c'est pareil. J'ai dû prendre trois toiles parce qu'il y avait une histoire de frais de port. Ou... Mais là, je plus moyen de me rappeler dans quelle boutique je les ai eues. C'est pas les boutiques que je vous ai nommées tout à l'heure. Hein. C'est des autres boutiques. Ben, c'est une autre boutique. Mais alors, où? Je sais plus. Voilà, donc il y avait celle-là. Donc il y a la rose qui est sur le colibri. Et voilà, à la base, j'avais commandé pour prendre celle-ci. Voilà, vous voyez, c'est vert en bas, bleu en haut. Et c'est pour, c'était pour broder un paysage style un peu hollandais. Il y a un moulin dans le, il y a un moulin et puis il y a plein de tulipes sur le devant, tout ça. J'avais flashé sur cette broderie, mais je ne l'ai pas commencé. J'ai la toile, mais du coup, je n'ai pas commencé. Allez, je n'avais pas commencé cette broderie. Pareil, peut-être un jour. Un jour, peut-être. On arrive au bout. On arrive au bout. Donc là, j'ai un gros paquet. Oh, ça doit être des chutes aussi, ça. Alors, ah, ben là, attendez. C'est pas ça, ma toile de lin? Je sais que j'ai une toile de lin, hein, mais... Je sais pas. Ça ressemble à de... Non, c'est de la... Celle-là, ça doit être du lin. Je crois que c'est celle-là que j'ai... Oh là là, j'ai des paillettes, moi, sur mes doigts. Comment ça se fait? Ouais, je crois que c'est celle-là que c'est du lin. Oh, pardon. Je vous ai ébloui. Voilà, donc pareil, genre vintage beige. Et par contre, je ne sais plus combien de fils c'est, ça. Ça doit être de la 12. 12 ou 14 fils. Peut-être de la 14. Bon. Voilà, je savais bien que j'avais une toile de lin quelque part. Et ici, voilà. Alors ça, c'est des chutes. Pareil, que je garde. Étamine. Alors là, c'est, j'ai vraiment des petites chutes hein, aussi. Hein, vous voyez Mais bon, je pense que vous devez être comme moi. Vous gardez tout. Regardez, un petit bout comme ça, on fait un ATC. Hein. On peut même en faire plusieurs. Hein. Voilà. D'ailleurs, là, j'en ai un à faire. Ici, ben, regardez, pour faire une bande, pourquoi pas. Et la, la coudre sur quelque chose. Ici, c'est quoi? Alors, c'est de l'étamine aussi, mais c'est de la 12 aussi, ça? Ça m'étonnerait. Non, ça, c'est de la 11. C'est du 11 fils. Donc, pareil, un joli bout. Hein. Hop. Là,
Ah, là, il y a un petit truc de brodé. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire là. Mystère et boule de gomme. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire là. Bon, pareil, c'est un petit bout d'étamine. Là, pareil, c'est du. Mais là, c'est du 11 fils. Voilà. Vous voyez? J'ai vraiment des petits bouts. Hop. Là, encore de l'étamine. Ici. Ah, ça non, c'est pas. Ça fait une bande. c'est l'Aïda, ça. L'Aïda Vintage. Beige. Encore de l'étamine. Toujours de l'étamine. Là, c'est vraiment des petits bouts, hein. C'est vraiment garder des queues de cerises. Mais bon, des fois, il vous manque une queue de cerise pour faire un petit truc. Dites-moi justement en commentaire si vous êtes comme moi, que vous gardez vos petits bouts de toile. Ah, ça, c'est un, ben, je vais le mettre avec. C'est un reste de la toile rose, vieux rose que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-là, c'est de la 11 fils. Je vais la remettre dans le sachet, comme ça, elle sera ensemble. Encore un étamine. Voilà. Là, des petits bouts d'étamine également. Voilà. Alors ça, je sais d'où ça vient. Avant de faire mon achat ED que je fais en ce moment, j'en avais commencé un autre. Et j'avais pas, pat si j'avais Pattern Keeper, mais c'était tout au début, je crois, que j'avais eu Pattern Keeper. Donc j'étais pas encore vraiment très à l'aise avec. Et j'étais pas non plus à l'aise avec l'achat ED. Ça fait que j'avais commencé un peu n'importe comment, un peu partout. Et je me suis noyée dans mon ouvrage. Et bah, j'ai complètement abandonné. J'ai coupé le morceau qui était brodé. Lui, je l'ai jeté par contre parce qu'il était trop gros à démonter, hein. Et ça, c'est tous les petits bouts, bah, de la toile que j'ai récupéré, que j'ai utilisé des bouts de toile pour. Je l'utilise pour quoi cette. Ah, ben bah non, je l'utilise pour mon achat ED. Ouais, je l'utilise pour mon achat ED en ce moment. Donc ça, c'est les petits bouts de toile qu'il y avait en trop que j'ai dû couper. Mais j'aimais bien mon modèle que j'avais fait avant. Mais je sais pas, j'aimerais peut-être. Enfin, non, faut pas que je dise ça. Parce que sinon, j'aimerais bien le reprendre. Mais alors attendez. Ouais, j'ai ma tablette là. Je vais vous le montrer. Oh, la vidéo est longue. Mais je ne sais rien, vous aimez bien. Alors. Tic-a-tic-a-tic-a-tic. Ah, là. Hop. Ah, le voilà. Afficher. Voilà, je vais afficher le PDF parce que. Alors, je vais vous l'agrandir. Voilà. Il est trop beau. J'aimerais bien le reprendre et le refaire. Enfin, le refaire complètement, puisque du coup, j'avais arrêté, j'avais coupé ce que j'avais fait. Et donc, moi, j'avais fait cette partie-là, ici. J'avais commencé là. J'étais reparti dans la tête. J'étais descendu là. J'ai. Oh! Oh là là, un carnage.
C'était un modèle qui était gratuit, ça. Il n'y est plus maintenant sur le site. Et il y avait 90 couleurs. Par contre, il est très grand parce qu'il fait 300 points sur 520 points. Voilà. Mais il est magnifique par les couleurs. Est trop beau. Il est trop beau. Mais bon, c'est pas raisonnable. Façon dont les. Il y avait celui-là. Alors celui-là est très spécial. Là, vraiment, il est spécial. Il faut aimer. Mais il est très, très, très grand. Il fait 500 points sur 763 points. Donc, il est immense. Par contre, il n'y a que 31 couleurs. Donc, c'est bien. Mais là, c'est pas pour tout le monde. Mais je sais pas, j'avais flashé dessus et il était gratuit aussi à l'époque. Voilà. C'est spécial, hein, là. Voilà, ça c'est spécial. Mais je sais pas, j'avais flashé dessus. Je l'aime toujours beaucoup. Mais voilà. Alors, je ne sais plus qui c'est le personnage. J'avais retrouvé. Mais je ne sais plus. Et celui que je voulais faire également. Alors celui-là, il est très très beau. Alors dans le détail, en plus, j'espère que vous pourrez voir le détail qu'il y a dans le dessin. Le voilà. Regardez. Regardez dans le chapeau. Il y a des personnages, il y a des fermiers dans avec les meules de foin et tout. Il est magnifique, il y a des papillons, des fleurs. Mais bon, celui-là, c'est pareil, il est très très grand et il a énormément, énormément, énormément de couleurs. 239 couleurs, pas échevêtes, hein. 239 couleurs différentes. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est trop beau. Et voilà. Mais bon, des HAED, j'en avais plusieurs, hein, j'en ai encore un là. Mais lui, bon, je l'avais enregistré, mais je craque moins dessus. Il était gratuit également. Ben, au moment où il y avait plusieurs gratuits, je les avais tous enregistrés, tant qu'à faire. Voilà. Et joli aussi, hein. Mais je pense qu'il doit être plus, parce qu'il y a quand même l'impression d'avoir des gros blocs. Et il doit être long à faire. Je pense, je sais pas. Bon, celui-là, il n'y a que 90 couleurs. Voilà. Mais donc, moi, je voulais vous montrer la toile là que j'ai coupée. Donc, c'était pour faire Sol Wessé. Voilà. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Allez, bah dernier bout de toile, voilà. Encore une étamine, un peu plus grande, celle-là, on dirait, non? Ah non, c'est deux bouts, deux grands bouts comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vous ai montré, pour ainsi dire, tout mon stock de broderie, j'allais dire, de toile. Je vous dis, je dois encore en avoir deux, trois en haut, mais ça va être des toiles. Oh, j'ai plein de fils du coup. Des toiles plus ordinaires. Quand je ferai du rangement, parce qu'il faut que je refais du rangement en haut, comme d'hab, je verrai si je les retrouve et je les remettrai dans mon sac. Voilà, regardez, mais non, là c'est bon, il n'y a plus rien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo impromptue vous aura plu.
Ça fait un moment que je voulais vous la faire et puis à chaque fois bah, j'avais un autre truc à faire ou et bon, je les rangerai après. Donc voilà. Est-ce que vous êtes comme moi? Bon, je suis sûre qu'il y en a qui ont encore plus de toiles que moi. Hein. Ça m'est. Ça, j'en suis sûre et certaine que bon, j'ai pas un stock extraordinaire quand même. Et voyez, j'ai du stock et il y a quand même une broderie que je veux faire et que je n'arrive pas à caser sur une toile. Voilà, donc ma steampunk. Je vous dis, soit que je vais bidouiller. Je sais pas comment si je peux, je pense savoir comment je peux la bidouiller. Je vous remontre laquelle que c'est celle-ci. Voilà. Alors, je pense que si je pouvais bidouiller un peu, ronger, vous voyez, parce que dans la longueur, c'est bon. C'est la largeur qui m'embête. Alors, il faudrait que je gratouille là 5, 6 points, même 10, c'est pas grave. Tant que ça touche pas le chapeau, voyez. Et de l'autre côté, pareil. Que je grappille de chaque côté. Et là, ça rentrerait. Donc, je vais y réfléchir. Ouais, là, ça rentrerait. Et il ne devrait pas y avoir de soucis. Parce que sinon, il faudrait que j'ai préparé toutes mes couleurs. Donc, ce serait plutôt embêtant. Mais sinon, j'ai celle-ci qui est moins large. Mais dans ce cas-là, il faut que je recommence de repréparer toutes mes couleurs. Voilà, vous voyez, celle-ci. Celle-ci est moins large. Mais j'adore la bleue. J'adore celle-là, j'adore la bleue. Donc voilà. Pareil, elle a le même nombre de couleurs, de toute façon. Elle a 150 couleurs. Alors ça me fait penser qu'il y a une abonnée qui m'a dit qu'il y avait peut-être une erreur dans la légende. Il faudrait que je regarde son message. Si tu passes par là, pardonne-moi. J'ai vu que tu m'avais marqué que tu pensais que j'étais en colère, mais non, non, je ne suis pas du tout, du tout, du tout en colère. C'est juste que je manque de temps. Je suis à droite, à gauche, au milieu, partout. Et des fois, je vois les messages, mais je réponds pas tout de suite et après j'oublie. Voilà. Ça c'est un message pour tout le monde, hein. Si vous m'envoyez des messages et que vous voyez que je ne réponds pas, n'hésitez pas à me le dire tout de suite. Voilà. Mais moi je ne vois pas le truc en double. Bon, c'est pas grave, ça je regarderai à part. En même temps, je te répondrai. Voilà. Alors ouais, je pense que pour ma steampunk bleue, voilà celle-là, hop, je vous la remets. Je vais grappiller, ouais, il y a moyen de grappiller de chaque côté, voyez, d'enlever quelques points de chaque côté pour moins gagner en centimètres sur ma toile. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et je referai peut-être la grille dans ce cas-là. Et enfin, je vais voir comment je vais me dépatouiller. Waouh! 1 heure dans 5, 6, 7, 8, 9. 1 heure de vidéo.
Elle est folle. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais regarder, je vais ranger ça et je vais regarder mon feuilleton Commissaire Magellan. J'adore regarder ça. Je les connais tous. Je les ai déjà tous vus hein, une fois, deux fois, trois fois. Mais j'adore regarder ça. Ça se passe ici dans le Nord. Hein. Et ben voilà. Vous avez vu ma lampe? Elle est trop chaude. Elle s'éteint toute seule. Bon, on va la laisser éteindre. Ah, c'est bouillant. Purée. Par contre, j'ai pas fait gaffe. J'ai trouvé comment pour qu'elle ne chauffe plus. Ben, il faut que je mette au minimum. C'est ma lampe loupe. Et vous voyez, elle s'est éteinte toute seule. Parce que là, elle est chaude, ma lampe de partout, de la prise sur la tête. Et ça, c'est pas bon. Chouchou, lui, il a peur hein, de si ça peut prendre feu. Parce... Moi aussi, hein, vous me direz, je suis normal hein, quand même dans ma tête. Mais là, il panique, il me dit, ta lampe, je vais la dégager. Tu non, 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 j'ai trop besoin de ma loupe. Et là, ça va. Là, c'est parce que je faisais la vidéo, j'ai pas pensé, j'aurais dû la baisser. Et si je baisse la luminosité au minimum. J'arrive à voir hein, pour broder, bah, elle chauffe pas. Et là, j'ai pas fait gaffe, mais c'est rien. Là, dans un quart d'heure, elle est redevenue froide. Ah, que voulez-vous? Bon, allez, je vais ranger tout ça. Je vous laisse parce que maintenant, ça fait 1 h 02 min. Je fais l'horloge parlante. Allez, je vous fais. Plein de gros bisous. Dites-moi tout pour vos toiles. Si vous avez un stock comme moi, plus petit, plus grand, voilà, ou si vous achetez au fur et à mesure, dites-moi tout en commentaire. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et des poupous! À bientôt! Bisous, bisous!